année que session 2017 vienne d'être publiée. Et c'est toi qui es le premier de la République en sciences maths au complexe scolaire Saint-Georges. Alors, quels sont les sentiments que tu as maintenant? Comment tu accueilles cette nouvelle? Nous avons un sentiment de joie, nous sommes heureux, nous sommes fiers, toute la famille est fière, et l'école aussi, et tous les proches aussi, nous sommes très contents. Et nous sommes ravis d'avoir cette place, cette première place de la République. Bien, le résultat affiche 27%, un peu plus de 27% sur le plan national, et votre école fait 100% en sciences maths. Quels sont les sentiments que tu as de ce résultat élevé? Eh bien, ça a été le pourcentage était faible sur le plan national. Dans notre école, il a été 100% en sciences mathématiques. Et nous sommes très contents sur le travail qu'a payé. Dans l'ensemble, nous avons tous travaillé durant l'année scolaire. Nous sommes donné les mêmes pour s'entraider entre les élèves. On a pu remonter toutes les difficultés ensemble. On s'est expliqué le peu que nous connaissons. On a mis nos connaissances à la disposition de tout un chacun. Nous nous sommes aidés. Et Dieu merci, oui, au final, le travail a fini par payer d'où ce résultat de 100% d'admis. Oui. À qui d'autre vous devez votre réussite là? Beaucoup. Je dois ma réussite à beaucoup de personnes, notamment à mon grand frère Drouaman Diallo, qui a financé mes études, depuis plus de 5 ans, depuis que je suis à Conakry ici. Mais ce n'est pas lui seulement. Il y a aussi mon oncle qui a pris la. Il y a aussi mon oncle qui a pu m'héberger chez lui depuis que je suis à Conakry ici. J'ai passé les 5 années, depuis la 9e année. Ils m'ont tous soutenu, il y a sa femme, ils m'ont tous soutenu parce que pouvoir travailler dans de bonnes, pouvoir faire un bon résultat, il faut que tu sois dans de bonnes conditions, bien sûr. Et puis c'est là, c'est tous les membres de la famille qui y participent. Donc je vais les remercier et tous. Il y a aussi les professeurs à l'école, bien évidemment, on ne va pas les oublier. Les professeurs, des très bons professeurs, les professeurs de maths, physique, chimie. Et autres, ils sont nombreux, le directeur du lycée Saint-Georges, M. Dakar, oui. Et les autres professeurs. Oui. Bien, quel est le projet que tu as? Tu comptes faire quelle filière à l'université? Bon, pour l'instant, on a des idées un peu partout sur quelle branche choisir. On pourrait dire faire les génies civils, pourquoi pas. Mais bon, arrivé à l'université, on va voir ce qu'on pourra choisir. En tenant compte des circonstances et des besoins aussi, bien sûr, du pays. Au terme des études universitaires, que comptes-tu faire au service de la nation guinéenne? Au service de la nation guinéenne. Il y a beaucoup de défis à relever en Guinée ici. Notamment, comme je voulais si bien dire, si j'arrive à faire le génie civil, pourquoi pas ne pas développer les circuits de l'urbanisme, les constructions, notamment les problèmes qui nous assaillent actuellement, surtout les problèmes routiers. Pourquoi ne pas développer ce secteur? Peut-être que ce sont des ambitions. On pourrait. Oui, qu'est-ce que tu. Est-ce que tu as un message à lancer à l'endroit de tes collègues admis, puis ceux qui ne sont pas admis? Tout d'abord, ceux qui sont admis. Et bien sûr, ceux qui sont admis, je les félicite, toutes mes félicitations, je les présente toutes les félicitations. Ça n'a pas été un travail facile. L'année scolaire, nous savons, il y a plusieurs réformes qui ont été menées durant l'année scolaire par le ministre de l'Éducation universitaire. Donc ça n'a pas été facile, l'enlèvement des moyens de cours, il a fallu que ce soit la valeur intrinsèque de l'élève, les moyens obtenus dans les différentes matières principales. Ce sont ces moyens-là qui nous ont permis d'être admis, donc ça a été du travail, donc je les félicite. Maintenant, ce qui concerne ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être admis, je vais les encourager, et qu'ils comprennent que ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent se ressaisir et penser à l'avenir. Peut-être que c'est plus facile pour nous à le dire qu'à leur place. Mais c'est ce qu'on peut faire, c'est de les encourager, ne pas perdre espoir surtout, parce que toujours c'est l'espoir. Et se fixer des objectifs à terme, notamment non seulement décrocher son bac, pourquoi pas avoir des mentions et aussi obtenir une bourse d'études, aller étudier à l'étranger.
Oui, ce mode de contrôle, cette norme de contrôle qui vient d'être effectuée, à laquelle vous étiez soumis, est-ce que tu apprécies cette norme? Bon, c'était des questions depuis en milieu de l'année scolaire. Ça suscitait pas mal d'idées divergentes. Mais de mon point de vue, d'une part, c'est bon, d'autre part aussi, il y a des conséquences. Oui. Bon. La suppression notamment des moyennes, cette fois-ci, les candidats sont allés sans leurs notes, sans leurs moyennes, du baccalauréat blanc. Donc, c'est ce qui a amené surtout ce résultat que nous avons connu maintenant là. Comment toi tu perçois cette norme d'évaluation? Oui, ce que je disais, ça a des avantages, notamment les bons élèves qui auront la chance de tomber sur les sujets dont ils connaissent, ils pourront faire la différence s'ils connaissent. Mais pas mal, il y a aussi de ces bons élèves qui pas mal n'ont pas l'état d'esprit de poser du bon travail. Ils peuvent connaître le sujet, mais le stress, la fatigue, le sommeil peuvent ne pas permettre au candidat d'achever, de passer dans de bonnes conditions son examen. Et du coup, ça peut aboutir à des échecs non souhaités, bien évidemment. À des échecs, oui. Donc parfois aussi, ça a des inconvénients. Okay. Mais bon, comme c'est une première expérience, on va attendre de voir les années à venir, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mamadou Saliou Diallo, premier de la République en sciences maths au baccalauréat de session 2017. Nous te disons infiniment merci et toutes nos félicitations. Monsieur Diallo, toutes choses se planifient. Est-ce que vous avez planifié être aujourd'hui premier de la République sciences mathématiques? Premier de la République, oui, c'était les ambitions depuis 2014 à l'issue des résultats du brevet. Et il y avait les résultats du brevet, c'était affiché, donc on n'attendait pas mal salut. Donc on s'est mis à la tâche depuis le début, depuis la 11e année, notamment la 12e année, on a commencé à travailler, on s'est planifié, on a formé un groupe de 8 personnes, dont les 2 autres ici, ils font partie bien sûr. On a trouvé un bon professeur qui nous a aidés, donc il nous a suivis dans nos préparatifs, il nous a aidés depuis 2016, je peux le dire, il nous a bien formés pour la 12e année, ensuite on a entamé la thèse. On a rencontré d'énormes difficultés, mais on a su les surmonter parce qu'on était avec un professeur d'expérience. Il nous a aidés, il nous a beaucoup aidés, il nous a guidés dans nos parts. Et à la fin, au final, ça finit par payer. C'est le résultat d'un long chemin de travail. Ok, M. Diallo, la plupart des premiers sont des enfants vraiment démunis qui n'ont pas de soutien. Est-ce qu'un tel cas vous est arrivé? Non, pas du tout. Je remercie le bon Dieu, j'évolue dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance d'être dans une bonne école, Saint-Georges, notamment Saint-Georges de Taouya. Et j'ai été, il y avait aussi toutes les conditions, il y avait le logement, donc on avait les documents à notre disposition. Mais je ne dirais pas que ça, c'était dans de bonnes conditions, bien sûr. Mais vous savez, tout ne peut pas être parfait. Donc parfois il faut s'arracher, on rentre dans des difficultés, il faut s'arracher pour aboutir à ces résultats, bien qu'il y ait des bonnes conditions. Et quel est votre parcours scolaire avant d'être là aujourd'hui? Avant d'être là aujourd'hui, mon parcours scolaire, j'ai connu pas mal d'écoles, parce que j'ai commencé en Côte d'Ivoire la première année, la deuxième année. Je suis revenu à l'Abbé-Village, j'ai fait la troisième année, la quatrième année. Je suis reparti de nouveau en Côte d'Ivoire pour aller décrocher là-bas le CP. Je suis revenu à l'ABI, j'ai fait là-bas la 8e année. Ensuite, suite au résultat que j'avais obtenu à la 8e année, mon oncle et mon grand frère ont décidé de m'amener à Conakry ici. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Saint-Georges ici en 2013. J'ai fait la 9e année, j'ai fait le brevet, les résultats ont été très bons. Ensuite, jusqu'au niveau de la terminale, aujourd'hui, ça finit par payer. Tu en as été aussi premier de la région de Conakry aussi? Oui, c'est ce que je lui disais. Donc, les résultats ont été bons. Donc, c'est depuis le début, quoi. On s'est fixé les objectifs pour le matin, comme on les décide. Ok, M. Diallo, merci. Merci.